Bonjour, bonsoir à toi, fan de zombies, j'espère que tu vas bien. Et bien voilà, les amis, on se retrouve enfin pour mon passage au niveau 400 du maître prestige. Grâce à la semaine de double XP, j'étais monté très très rapidement lors d'un run sur Révélation. Je n'en dis pas plus, vous verrez ça quand on ira voir mes statistiques sur le jeu. Alors, pour ce passage au niveau 400, il me reste que très très peu d'XP à avoir. Je pense que en 3 manches, sans déconner, 3 manches c'est réglé. Je pense qu'il doit me manquer 2 ou 3000, quelque chose comme ça. Alors, j'ai décidé de faire une petite first room sur Gorod Krovi. Je vais vous passer la cinématique, hein, parce que c'est pas très très intéressant. Je pense que vous l'avez déjà vu 1 milliard de fois. Et bien voilà, on se retrouve donc sur la first room de Gorod Krovi. Puis on va faire, à mon avis, 3-4 manches, peut-être 5, allez. Pour au moins faire 5 manches sur cette first room. D'ailleurs, j'ai un petit peu peur de mon niveau, parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de first room. Et donc je ne sais pas trop ce qui va m'arriver dans cette vidéo. Voilà. Alors plusieurs choses à vous dire pour cette petite vidéo quand même. 2-3 petites choses à préciser, à élucider, on va dire comme ça. Alors tout d'abord, on peut commencer à parler de ma vidéo FAQ qui devait arriver normalement cette semaine, donc la semaine où vous verrez cette vidéo. Elle devait arriver cette semaine, mais malheureusement, je ne pense pas pouvoir vous la fournir pour cette semaine. Car donc cette vidéo sortira le mercredi. Et comme vous le savez, vendredi dernier, j'ai commencé à vous montrer mon projet secret que nous avons commencé à réaliser avec Nocif il y a un mois environ. Alors on a commencé à le mettre en place, à vous le montrer. Je pense que l'épisode 2 sortira ce vendredi. Donc je voulais sortir ma FAQ ce vendredi et puis bah, finalement elle sortira la semaine sûrement, la semaine prochaine, voilà, sûrement le mardi, comme ça le vendredi encore d'après ce sera l'épisode 3 de ce projet secret qui sortira, donc c'est à dire les comics zombies. Voilà, du coup je voulais m'en excuser hein, parce que en plus dans la FAQ on m'avait posé la question, as-tu des projets secrets avec Latinos? Vous voyez bien que oui, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Du coup, j'en profite déjà pour vous répondre à cette question. J'espère qu'il y aura encore plein d'autres projets avec Latinos. C'est juste que, ben voilà, en ce moment, je suis en période d'examen. Du coup, ben, je peux pas faire des gros trucs. Je vous fais des toutes petites vidéos parce que cette vidéo va être assez courte, hein, je ne vous le cache pas. Et puis, ben, j'espère avoir d'autres projets bien plus grands après. C'est sûr. C'est ce que je veux, en tout cas, voilà, j'aimerais bien viser quelque chose de plus grand dans le zombie. Et puis voilà, en ce moment c'est les examens, c'est compliqué, je ne fais pas de live malheureusement. Je reprendrai d'ici le 28 ou le week-end du 25-26 environ. Donc restez connectés sur la chaîne et il y aura des lives à partir de ce moment-là. Voilà. Bon et bien voilà les amis, je parlais, mais entre-temps j'ai passé mon niveau 400 et je n'ai même pas réagi. Ce n'est pas grave, en même temps, je considérais dans ma tête depuis très longtemps que j'étais niveau 400, donc on va arrêter la game, hein, parce que voilà, j'avais dit 5 manches, j'ai fait 5 manches, on a passé le niveau 400, c'était l'objectif, hein, après tout. Donc voilà, on va se retrouver dans le menu pour que je vous montre mes stats, etc. Et une petite annonce aussi en fin de vidéo. Bon, et bien voilà les amis, on se retrouve dans le menu, je vais pouvoir commencer à vous montrer mes statistiques, mais on va faire les choses un petit peu différemment d'habitude et vous allez voir pourquoi. Alors tout d'abord dans la caserne, ben voilà, 400 et presque 410 000 éliminations, 6800 manches survécues, score par minute, enfin score par partie moyenne, je sais pas du tout, tir dans la tête 57 000, manches moyenne par partie, ça ne veut strictement rien dire, score par minute, pareil, et presque 20 jours en zombie, 19 jours, 21 heures, ah, ofti, bientôt les 20 jours, je trouve ça assez impressionnant de se dire qu'on a 20 jours en zombie, c'est quand même assez énorme. Voilà, maintenant on va enchaîner avec les icônes. Hein. Regardez les prochaines icônes, celles qu'on peut mettre après. Je suis déçu parce qu'en fait avec Au Fourneau, finalement, je suis pas resté assez longtemps et je le trouvais vraiment très très beau quand on passait au niveau. C'est dommage. D'ailleurs, je me demande même si je ne vais pas le laisser un prestige de plus. Enfin, on va voir ce qu'il y a après. Hein.
On va regarder ceux-là, même si je trouve Câble à chaise quand même assez beau. Je les avais pas assez regardés. Bon, les gobblegums. Ah, c'est les gobblegums, les trucs d'après. Mauve, rare, pas méga. Orange, vert et bleu. Ah, du coup, je me tâte. Je ne sais pas. Ah oui, la dernière fois, on avait débloqué 5 trucs et maintenant, on en débloque 4. Vous savez quoi, je vais quand même prendre le bleu parce que c'est quand même ma couleur préférée. Donc voilà, je prends le bleu. Ensuite, on va passer aux armes. Bah, toujours la Kuda, 19 piles. Ah bon, la Sheva est gravement remontée. Bah, ça se voit que j'ai joué sur Ascension quand même. Chaque fois que je vais sur Ascension, bah, évidemment, j'utilise Sheva et Thunder Gun. ICR, RK5, KN, tout ça, ça n'a pas changé. Hein. Et évidemment, bah, la Sheva et le RK5 toujours dans le top 5. Parce que je sais que ça vous surprend énormément, mais comme je vous dis, beaucoup de first room et la Sheva, c'est normal qu'elle soit aussi haute. Quand je fais des runs Ascension, bah, Sheva, Thunder Gun, du coup. Voilà quoi. Ensuite, les Gobblegum, antithèse alchimique, hein, toujours devant, c'est normal. Devant tout le monde, liquidation, immolation. Parce que je vous dis, liquidation, immolation, ça a des gobblegums que j'utilise le plus parce que je déteste faire des boîtes sans, en fait. Bonification et accro des atouts, tout ça, ça ne me surprend pas. Et voilà les amis, mon manche sans sur révélation, je vous l'avais dit. J'ai fait un run sur révélation pour monter mes niveaux, j'avais pris plus de 60 niveaux et voilà. J'ai fait mon manche sans, enfin, mon premier manche sans sur BE3. De Raison Drare, ça n'a pas changé, Ascension non plus. Kinoder Toden non plus, Verukt non plus. Shinonuma, je l'avais fait il y a un petit temps, ça n'a pas changé. Gorod Krovi non plus, Nakt non plus, Moon non plus. Origin, ça a changé, oui, j'avais 32 comme record, j'ai fait un petit manche 40 en solo. Shadow, ça n'a pas changé, The Gen non plus, Zetsubou non plus, et Shangri-La non plus. Bon les amis, vous m'excuserez, mais je ne vais pas vous faire d'opening Divinium dans cette vidéo, car c'est une vidéo que vous me demandez à part, quand est-ce que tu feras un opening Divinium, et du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo. Je voulais vous le faire pour le niveau 1000, mais finalement j'en ferai une vidéo avant, quand j'en aurai 400 environ. Du coup voilà. On se retrouve très vite en zombie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt. Peace.